Voice Renew 103.0 FM. Bon, est-ce que tu connais le maire qui avait construit la mairie là-bas, Bachi? Bachi? Oui, allô, c'est oui, 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 Bachi, il ne faut pas fuir. Parce que j'ai l'impression que tu veux fuir. On va parler du Maroc et le maire du Sud. Ton ami avec lequel tu... Qui t'avait demandé que tu nous vendes la Oumme. C'était la Oumme. Bon, le maire, là, oui, il est allé arnaquer les gens. Parce que j'ai les dossiers. Là-bas au Maroc, on fait quoi avec ton ami là? J'espère qu'il a payé ta voiture. Tu ris maintenant. Parle-toi, donne aussi ton ami. Ton ami le maire là. Il a frappé les gens du côté du Maroc. Ah bon, je ne suis pas au courant. Hein? Comment ça? Toi qui as toutes les informations. Hein? Les informations qui viennent de l'extérieur, surtout du côté du Maroc là-bas, hein? Vraiment, je sais que tu es très bien assis là-bas. Donc, tu n'es pas au courant. Les gens ont dit qu'ils vont venir se plaindre au Cameroun. Calmez-vous, ne limitez pas ces gens. Voilà la réalité. Ils veulent avoir un cortège semblable à celui du président du Parti républicain. Ah bon, ok, d'accord. Je lui souhaite beaucoup de chance. Une autre qui porte les armes. Une autre qui porte les gardes du corps. Voilà. Moi j'ai la chance. Hein? J'ai la chance de trouver les machines. Hein? Vous n'avez pas la chance. Vous voyez que tout à l'heure, moi j'ai été souple par rapport au directeur du cabinet civil. Vous avez vu ce que Benoît a dit. Benoît a été très tranchant. Ouais. Mais je comprends. Vous venez de donner le numéro où on peut vous joindre, mais c'est moi qu'on envoie des menaces par des messages que quand je marche, je dois regarder à gauche à droite. Je les attends. Voilà. Non, pour ça, rassurez-vous. Vous qui envoyez des menaces là, et vous dites gauche machin, rassurez-vous. Mmh. Bachir va venir au Cameroun de notoriété. S'il y a un différend judiciaire, le parti se charge de le gérer en toute quiétude au strict respect de la loi. Donc, c'est un responsable du parti. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Numéro, il peut appeler. Il n'appelle pas, il vient parler ici. L'histoire du direct de Jupiter Rémy Gonolé est ronge parce qu'il a cité des témoins vivants. Ils sont à l'ambassade de France. Qui peuvent certifier que Jupiter Rémy Gonolé est rencontré à plusieurs reprises. Rien n'explique qu'un directeur de cabinet du président de la République, Paul Diapa, rencontré Jupiter Rémy Gonolé. Jusqu'à y a les témoins, avec les vidéos et tout. Ça les élèves, vous venez de donner le numéro là maintenant. Je le fais encore peut-être. Vous avez donné jusqu'à deux numéros. Bachi. Qu'est-ce qui a fait que Jupin a fait sortir ça? On n'a pas donné son argent? Ils ont eu des désaccords entre eux. Il semble que le directeur de cabinet raconte partout qu'il n'a jamais appelé Jupin. Tout balancé. Il a cité des gens, des fonctionnaires, même à l'ambassade. Oui. Il a donné des numéros directs du directeur des cabinets. Maintenant, il m'envoie des messages chez moi. Pourtant, le président a donné le numéro. Numéro bon, moi, je directement à la radio. Numéro du studio 652-16-37-88. 696-59. Cessez de menacer Bachir pour rien. Oh, les gens là sont terribles. Avant de venir chez moi, appelez d'abord, vous vous justifiez. Voilà le numéro et le peuple camerounais nous écoute. Voilà. Voilà la technique. Vous croyez que je suis idiot pour marcher Pokémon. Bon, comme vous pensez souvent, qu'on raconte souvent des choses, on dit dans le journal de 20h, je ne sais pas si c'est 20h, Vision Caca a publié quoi? Bon, je vais. Bon, petit frère Babouké. Il faut éviter d'envoyer la famille là-bas. J'ai déjà parlé, ça fait déjà 3 fois. La 4e fois, ce qui va arriver, ce serait sur ton nez. Les parchemins, les kits de rentrée scolaire de 2022-2023 aux enfants. On vous n'avez pas besoin d'aller faire la publicité là-bas. La CRTV existe là où il y a la notoriété. Vous allez maintenant dans Vision Caca là-bas, ça va poser problème. On va dire les connexions. Eux vont dire qu'ils sont avec le directeur du cabinet civil, l'adjoint. Ça va devenir un autre problème. Vous savez que dès que celui-là, il vous voit,
il confond même votre main, il dit que non, c'est sûr que votre main a pris 500 millions, comme vous avez dit pour la dame. On a vérifié la main, on a vu que c'était la main d'un homme. Faites attention. L'histoire des parchemins là, que vous n'avez pas besoin d'aller à Vision Finance ou bien on a comment Vision 4 pour aller faire des publicités là-bas. Faut faire attention. Vous savez, quand les gens sont mal en point, ils cherchent des repères. C'est vrai que à un moment, Jean-Pierre Mouvenga a commencé à dire qu'il fait des affaires avec le avec Babouké pour essayer de créer un dossier. Il dit qu'il fait des affaires avec Babouké. Jusqu'à Babouké lui a dit que qui moi si. Donc voilà un peu le comportement qui n'est pas bien. Faisant chemin, on va parler d'un petit dossier qui est un dossier important. Un dossier sûrement d'un jeune qui est en train de périr. Hein? C'est-à-dire, les gens font des choses dans ce pays, je ne comprends pas. Hein? Vous faites des choses, vous ne voulez pas. Bien. Le tout nouveau directeur de la société Tradex, on va en parler. Il s'appelle Simon Paley. Ça, c'est un nom. C'est un nom, non? Oui. Son fils qui a emporté l'argent s'appelle Salihou et il est cherché par les services compétents. Il a mis en paille une société dont je vais donner le nom parce que c'est pas normal. Quand il est arrivé aux affaires, tous ceux qui étaient des fournisseurs, il a estimé que c'était des gens qui étaient les protégés de l'ex-DG Nyodok Périal. Donc on soupçonne. Vous pensez que quand vous arrivez dans une société, vous venez vous chasser seulement tout le monde. C'est pas comme ça, monsieur le directeur général. Non seulement nous avons des problèmes aujourd'hui de pénurie, parce que la faculté du carburant parle d'un point. Le centre de stockage, par exemple, de la SDP, on a besoin d'une certaine expertise et d'une certaine qualité hein, de transport de carburant. La société, je vais donner le nom de la société. Je ne comprends pas comment aussi on veut piétiner toujours les intérêts des jeunes. Et ça, c'est pas bien. J'aime pas beaucoup ça. Il va falloir mettre un certain nombre de points sur la table. Nous n'allons pas continuer à croire que du côté de Tradex, son enfant a emporté la caisse. Maintenant, des milliards sont partis. Même les fournisseurs qui peuvent entretenir le réseau du carburant sont mis en paille. Donc, il est question ici que nous puissions mettre un certain nombre de galettes. Hein, je voulais le dire. Il est question ici que M. Paley nous dise là où il a caché son fils. Parce qu'un homme ne peut pas fuir comme ça s'il n'est pas prévenu. On parle du milliard maintenant, même c'est que le petit n'a pas fait, vous allez coller sur son dos. Parce qu'on vous l'a dit qu'il a tout fait. 6 milliards, 6 milliards prononcés. Et les 6 milliards, naturellement, sont allés. Le gars a disparu, il n'a pas porté les 6 milliards seuls, sûrement. La complicité effective de son père est établie. Hein. Vous ne pouvez pas. Hein. Donc, quand on parle de détournement, c'est vous qui êtes le civilement responsable, monsieur Simon Paley. Je vais parler de ce dossier, parce que je voulais d'abord fuir pour savoir de quoi il s'agit. Les gens ont dit des choses et racontent des choses. Paley, tu te fais passer pour être le protégé du secrétaire général de la présidente Tunis. Il n'en est pas question. Je sais comment tu es arrivé là. Hein? Donc il est question de remettre la pendule à l'heure. Laissez tranquille ce jeune homme travailler au secrétaire général.
vous voyez tout. J'ai entendu et des dits et des murs et des pas murs. Oh non, tu sais, c'est parce que il y a eu telle intervention que l'enfant a fui. Mais l'enfant a fui. Il est parti de chez lui, il a pris les costumes. Il a pris un avion. Est-ce qu'il a fui? Il a fait. Il a entré dans l'avion, on ne l'a pas vu. Hein? Ce n'est pas normal, hein? Est-ce que l'enfant l'a fui? Quand il entrait dans l'avion, on ne le voyait pas. Non, maintenant, la question est simplement que les choses soient mises à jour. Il faut éviter de dire des choses. Ça veut dire le nom de la société. Pour dire que voilà, des jeunes qui se battent, un jeune Camerounais qui naturellement 6 milliards de détournements, hein, et ça ne souffre d'aucune contestation. Son fils a fui avec la complicité de son père. Faut nous laisser ces choses là parce que quand tu... bon, ok, ça laisse à déposer plainte. On a déposé, on a interpellé d'autres. Pourquoi son fils a fui? Pourquoi le jour de l'interpellation, on n'a pas d'abord interpellé son enfant? Or, c'est lui qui occupait ce poste. Pourquoi on a d'abord interpellé les autres? On a laissé partir parce que lui, il a estimé que c'est comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Les 6 milliards là vont sortir. Ça va sortir. Autre chose là, ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Voilà, donc... il est question simplement ici, hein, qu'on puisse remettre les pendules à l'heure et qu'on retrouve l'argent. Hein. Parce que si l'argent ne sort pas, le président de la République, il va vous regarder. Après, il va dire que ceux qui sont coupables ne doivent pas croire que... c'est comme ça que ça va se passer. Bien, une jeune société qui faisait bien son travail avec des camions de marque Renault, très bien sécurisés, se fait virer par Simon qui refuse de payer les 181 millions que la société El Bichoka Trading Company BP 352 48 Yaoundé Cameroun, qui entretient au moins une soixantaine de foyers de famille, depuis plusieurs mois il refuse de payer la facture. Pourtant, cette société a fait son temps. Du simple fait que le monsieur s'appelle Bichoka et que ça fait une consonance avec Nyodok Périal, vous avez tout confondu. Aujourd'hui, il préfère prendre des camions pourris. Des camions pourris. Des camions pourris pour transporter le carburant. Insécurisé. Nous allons en parler. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, quand on regarde, c'était un très bon partenaire parce que je vois des contrats bien signés de la compagnie L-Bichokas Trading Company, je répète, au BP 352-43 Yaoundé Cameroun, qui ne se fait pas payer depuis des mois. Voilà un jeune opérateur économique qui s'investit et apporte un génie à travers naturellement cette profession de transporteur,
de carburant. Une mesure bien taillée à la dimension des camions sécurisés. Ils payent les impôts jusqu'à date. 181 millions de tonnes dans les caisses de Tradex pendant que le fils de Simon Palais, selon des informations repoucouées, est d'abord sur une cagnotte de 6 milliards non exhaustive avec certains de ses pairs. Ça veut dire que certains de ses complices. Comment l'argent pouvait sortir sans que la direction générale ne sache? Il y a une direction financière. On ne peut pas, puisque dans la journée, il est question simplement de reverser et transporter l'argent dans les points de vente, même si c'est dans les points de distribution du fuel, telles les stations. Il y a des services appropriés spécialisés pour sécuriser les fonds. Comment quelqu'un peut se retrouver en train d'avoir de l'argent dans les caisses? Un individu, alors qu'il y a les banques. Comment il a fait pour sortir de l'argent? C'était quoi? Des virements? Si c'était des faux paiements, avec la complicité de qui? Qui autorise les paiements? C'est le DG, la direction financière. Je crois que Moody qui est en train de bien regarder cette histoire. La SNH quand même ne va pas se laisser faire. Hein? Voilà quelqu'un qui sort de la diaspora, un jeune. Il s'appelle Logmo, bien connu dans la place comme jeune opérateur économique, très jeune battant. D'ailleurs, qui a été encouragé par ma personne, naturellement, qui se bat autant peu, qui se bat pour entretenir plus de 60 familles depuis des mois. Vous ne payez pas les 181 millions pendant que votre fils a disparu avec 6 milliards non exhaustifs. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc, il s'appelle Salui Balarabé. Le mode opératoire. Ah oui. Le mode opératoire. Ah oui. C'est à travers les cartes magnétiques quand on a vidé les comptes de Tradex dans les différents points. Mais ces comptes ne pouvez pas être vidé parce que quand vous avez un montant, quand vous allez, il faut que ça soit autorisé puisque la banque appelle la société pour demander pourquoi est-ce que il y a plusieurs appels de fonds, même si c'est les cartes magnétiques. Hein? Et maintenant, quand Tadex va porter plainte à la sous-traitance, c'est un jeu parce que vous ne pouvez pas porter plainte alors qu'il y a des acteurs. Pourquoi on a interpellé ses autres collaborateurs, pas lui? Ça veut dire qu'il y a une complicité. Même si c'est comment. Et il ne peut pas sortir par l'aéroport alors qu'il y a enquête. Ça veut dire qu'il s'est soustrait avec la complicité de son père. Il faut le dire comme ça. Ça devait porter plainte. Vous, tu portes plainte à ton fils. Est-ce qu'entre père et fils, il y a vol? Mais si vous touchez les biens de l'État, on finit avec vous. Les 6 milliards non exhaustifs. Parce qu'après, on va nous dire qu'il y a encore des choses. Les cartes magnétiques, vous ne pouvez pas handler. Dès que vous le mettez, même si c'est la nuit, ça rejette un montant, ça donne un quota. Comment vous pouvez faire? Donc ça veut dire qu'il y a la complicité. Voilà. Et naturellement, c'est le DG Simon Palais qui validait. Parce que c'est lui le DG. S'il ne valide pas, ça ne sort pas. Donc, il validait. Non, il validait, c'est clair. Le mécanisme est clair. Ça passe sur le DAF. Ça passe à la direction de la production, ça passe à la comptabilité, et c'est lui qui a le parafeur. C'est lui qui fait ce qu'on appelle. Si on l'appelle, il dit oui, c'est bon. Si c'est à travers les cadres magnétiques, ça veut dire que le DG a une implication directe là-dedans. On va en parler apparemment. Ce monsieur Palais là,
il est un homme qui a beaucoup d'ardoise. Et mais je veux finir dessus. Et je reviens dans ce dossier parce qu'il y a quelque temps, je me suis rendu compte que parler dans des trucs compliqués, et je voulais dire à toute la population camerounaise, il n'est pas protégé par le secrétaire général. Pas du tout. La personne qui a intervenu, même quand son CV est arrivé, est en train de regretter aujourd'hui, parce que même le nouvel immeuble là-bas, c'est la salissure. Vous trouvez les poulets, les coqs. Il reste sûrement qu'on élève seulement, hein, là-bas, les porcs. Simon Palais, remettez-nous nos 6 milliards, parce que ça dit que c'est une entité d'État. C'est, ça sort de l'argent des sources pétrolières à travers la SNH. Cet investissement n'est pas un investissement hasardeux. Alors, nous avons besoin que vous nous restituiez, parce que si vous ne restituiez pas, vous allez passer à la coupe. Ne vous ennuyez pas. Le temps est en train d'arriver. On ne peut pas vider 6 milliards comme si on voulait 10 francs. De toutes les façons, il n'y aura aucune authenticité. Il n'y aura pas, ça je vous le dis, une couverture en tant que telle. Vous ne pourrez pas. Il faut faire très attention. Monsieur Simon Palais, payez la société qui a fait ses travaux et vous voulez faire le malin. Vous ne voulez pas payer. Elle a transporté le carburant avec ses camions. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, la justice, on va vous attaquer. Vous ne pouvez pas interrompre ou bien rompre un contrat sans tenir compte des faisceaux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas confisquer le patrimoine financier d'une société parce que vous supposez que c'est une société qui est amie à l'ex-directeur général. Il faudra que vous apportiez des preuves. Encore que hein, les prestations ont été faites. Moi, j'ai suivi cette histoire. Je me suis tué. J'ai voulu d'abord investiguer dessus. Monsieur Simon Palais, désormais, vous êtes sur ma ligne de mire. 181 millions de francs, vous devez payer. Si vous ne payez pas, ne vous ennuyez pas. Il est question de payer la société L-Bichokas Trading Company qui a bel et bien un contrat. Et ce contrat courait. Ne croyez pas que quand vous avez dit que vous allez interrompre le contrat, le mécanisme que vous avez utilisé n'est pas juridique. On appelle ça les histoires compliquées. Et la malchance, c'est que votre fils aussi nous doit aussi 6 milliards maintenant. C'est une société. Vous allez voir comment ça se passe. Maintenant, les camions que vous nous sont appropriés. Je vous dis, je vais vous donner par exemple à l'article 9. À l'article 9, je vous dis que c'était même moins cher. Quand on regarde même ce qui se passe avec les camions qui livrent. L'assurance. Hein? Voilà. Je vais aller à l'article 9. Les prix de facturation applicables aux consignes est basé sur les prix de vente au public. Annexe 1. Auxquels sont appliquées les remises comme suit. Ça sont les bouteilles. Hein? Du gaz, par exemple, quand on les transportait. 2,75. Les grossistes, c'est 1,300 et plus. Donc, ça veut dire que 1,500. Semi-grossistes, 1,000. Revendeurs, 500. Remises appliquées par type de bouteille de gaz, par exemple. Et le prix de facturation applicable aux achats de gaz du client est rattaché à la structure des prix de gaz domestique applicable au Cameroun, défini par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. J'ai tous les documents, monsieur. Quand je parle, tu avais les documents. Voilà. Vous n'allez pas vous soustraire, hein. Et ce sont les contrats que le DG, l'ex-DG, nous donc avait bel et bien signé en respectant le téléscripteur juridique et tout. Alors, pourquoi vous ne voulez pas payer? Vous payez. Voilà, vous interrompez
le truc de le gaz et vous racontez n'importe quoi. Alors, monsieur, je voulais le dire, les jeunes ont droit à la vie, ont droit de prospérer dans notre pays. Nous devons les encourager et à eux de respecter la structuration de la société. Je vais aller plus loin pour vous dire que vous croyez que vous êtes malin. Moi, j'ai toujours dit, je parle des documents, monsieur. Herbichoka Trading, dont le siège social est à Yaoundé Boulevard, Jean-Paul II, BP 352-43, Yaoundé Cameroun, immatriculé au registre de commerce et du crédit immobilier sur le numéro, je ne donne pas parce que vous, les directeurs de publication, je vous connais, vous voulez profiter d'aller écrire. Je donne juste les indications pour que ce monsieur pareil paye. Sur le numéro tatatac, représenté par le mandataire monsieur Logmo Bichoka Jean de la Paix, ci-dessus désigné sous le nom le client d'autre part, si après dénommé individuellement par parti ou collectivement par parti, il a été arrêté convenu ce qui suit. Dans le cadre de sa activité de distribution, le fournisseur commercialise des carburants lubrifiants et du gaz pétrole liquéfié GPL dans ses stations service et auprès des clients consommateurs. Voilà, je n'ai pas besoin de lire tous les documents. Je vous rappelle, monsieur Palais, si vous ne payez pas les 181 millions et vous ne renouvelez pas le contrat parce que c'est un abus, vous allez m'avoir sur le dos. Moi, je parle toujours avec les documents. Hein? Vous ne pouvez pas, l'administration est continue, vous ne pouvez pas interrompre un contrat en abusant. Monsieur Logmo est en train de d'avoir des difficultés même avec ses partenaires. Il a des problèmes de soutenir plus de 60 familles, voire 80. Si par famille il y a 5 têtes, vous savez ce que ça donne? Voilà les rentrées, il faut payer les gens. Vous immobilisez les camions, vous immobilisez le contrat, vous l'interrompez. Déjà, les assurances courent encore. Je vous rappelle que cette sa société est assurée. Vous faites courir. Et pour au nom de ce que vous mentez aux gens, que vous êtes alors le secrétaire général de la présidence de la République, vous racontez des histoires. Le secrétaire général de la présidence de la République, je vous l'ai dit, c'est un petit frère. Je suis plus âgé que lui, monsieur. Mais je connais sa moralité. Les gens disent des choses, il faut toujours aller vérifier. Voilà, vous dites que vous êtes protégé par lui, alors que vous vous trompez. Le secrétaire général de la présidence ne peut pas détruire les actions du président de la République. Parce que, un, Tradex est une entité de la SNH. Et la SNH est d'utilité publique et est une notion de l'État et une entité de l'État. Comment un secrétaire général qui est PCA de la SNH peut détruire une filiale de la SNH? Et vous avez fait croire aux gens que c'est parce que votre prédécesseur a mal travaillé, vous vous trompez. On doit construire les stations partout, nous tous on a vu. Il a pris Tradex minime, on a vu Tradex large. Vous avez compris? Maintenant là où vous parlez là, c'est pour vous là-bas. D'accord? Simon Palais, si vous ne payez pas, un, je me charge désormais de retrouver votre enfant, même s'il entre à 8 km de l'eau profonde. Je vais donner les indications. J'ai les moyens de ma politique. Je vais dire là où il est. On va l'interpeller. On va le ramener. Et vous, vous allez être celui qui est le principal auteur parce que vous êtes co-accusé. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Pendant qu'on parle, vous pensez que quand vous allez faire les histoires du parti, c'est ça qui nourrit le Cameroun. Monsieur Simon Palais, payez d'abord les 181 millions. Remettez le contrat en place. S'il y a un débat juridique, les deux parties peuvent se mettre ensemble et en débattre. Que de commencer à soupçonner les gens. Donc ça veut dire que si je m'appelle Baon là, l'autre s'appelle
hein, Niobe ou qui que ce soit, ça veut dire que automatiquement il y a des complicités. Voilà le faux neveu du chef de l'État. Voilà, je l'ai attrapé par la queue qui est longue. Je l'ai retrouvé passer sa queue balancée à l'extérieur. Vondo Ayolo, il vous a menti tous. Que non, il était le faux, le neveu du chef de l'État. Aujourd'hui, tout est à la place publique. Il s'est attaqué aux enfants du chef de l'État. Il s'est attaqué aux intérêts politiques du chef de l'État. Il s'est attaqué à la politique de la renouveaucratie. Aujourd'hui, voilà ce monsieur qui est mis à la place publique. Voilà son épouse et sa fille qui ont fui. Laetitia a fui. Elle n'est pas au Cameroun. Elle est partie du village. Quand elle a entendu que je parlais d'elle, elle est allée faire les chants à Mesok. Après, la caméra d'Ateba l'a découvert. J'ai couru, j'ai dit, mais le voici. La voici, pardon. Et elle a pris l'avion. Elle a pris un vol direct du côté de Douala. On sait. On sait à quelle elle est partie. Mais, Esson ou Sylvie, elle a dit aux gens qu'elle s'en fiche, qu'elle ne respecte pas les gens, elle s'en fiche, et que personne ne lui fait peur, le couple présidentiel est la merde, encore plus la famille présidentielle. Mais maintenant que tu fuis là, si tu vas te casser la jambe, tu vas dire quoi? Les marabouts, les Dahoméens, pas tous naturellement, les histoires que vous faites là, dans l'Afrique de l'Ouest, ça ne va pas marcher. Rien. Depuis que le chef d'État, vous savez combien de personnes vont chez les marabouts pour attacher? Ils se détachent tous les jours. Vous ne pouvez pas. Sylvie Ayolo, elle aime les ronds, comme on dit souvent. Elle aime les ronds, voilà. Alors, Vona Ayolo, il ne sert à rien d'être dans les Boka. La maison qui est au carrefour, là où tu t'entends souvent, là, c'est où là? Au carrefour. Tu prends un pas à droite là. Mais les gens sont allés élire domicile là-bas. C'est la maison de l'État. Hein. C'est une maison de fonction. Maintenant qu'il n'a plus les moyens pour loger ces camps gabonais là, vous allez faire comment? On vous attend au Gabon. Le président Ali Bongo vous attend là-bas. Vous allez courir, vous allez revenir. C'est pas un problème. Voilà comment il a mis en mal et les gens et les amis. Il a fait croire aux gens qui viennent remplacer le président de la République. Il fallait tout faire pour mettre en mal ses enfants. Et ça ne marche pas comme ça. Bien, Simon Palais n'est pas protégé par le secrétaire général de la présidence PCA de la SNH. Il a eu la confiance. Je veux le dire. De l'administrateur ministre Moudiki. C'est de ça qu'il s'agit. Un conseil d'administration se évalue en fonction de la compétence. Donc, arrêtez vos trucs de guignol. On a guignolé, on a dit, voilà, les 6 milliards sont où? Ça va sortir. Vous pensez qu'on va vous laisser? Bien! Nous n'allons pas ne pas le faire. Tambe, il est là? Le président. Ok, you have a line. Now, about Tradex. That young businessman have a problem there. What's your opinion? The one that the bills at Tradex has not been paid. Yeah, Tradex est une société de pétrole. Ça veut dire que ils font comme la société Total, ils ont des stations et tout. Now, depuis là, il refuse de payer les 181 millions du jeune. Il dit que le jeune doit partir et lui va faire. Et lui, son fils, a détourné 6 milliards. Donc lui-même il est complice. L'argent ne peut pas sortir sans que le DG ne soit au courant. Et
it is him, it is not the son, it's an agreement he's made with his son. So, okay, I'll sign the check and then you take the money and run away. It's the same thing we've been crying every day. We have people at the head of our companies, at the head of institutions, instead of working to create a better environment, they just come in and start stealing. And people who are delivering contracts to their companies, they don't want to pay them. They don't respect any contracts. Rather than paying people, they will invariably send thieves behind your back so that they can kill you. You see, that's why they are happy when the country is in this state of confusion. Because this is confusion. When we are in this state, they are happy. Hello? Yeah. You have a line. Go on. Yeah. That's what I'm saying. That is why they are happy when we are in this state of confusion, when there is fighting left, right, center, so that they can't bring them. We can't arrest them and take them to the tribunals. So they are the ones sponsoring whatever is happening, because to them it gives them that permission to now steal from the state without any opposition, because people are not aware the country is in confusion. People are fighting, so they'll just go into the coffers with few of them. They've made their arrangement and they just withdraw the money, and that's them. It is not his son, it is him. He's the one that has taken the money. This new director of Complex, let's not pretend about it, it is him. Okay. He signed it. He was the one that visited the money. His signature is there. And he's very, very aware that the payment is going to his son. So some montage, that's how they do their fake things to destroy the country and put Cameroonians into a state of confusion. All of them that have gone through a public operation, all of them, from maybe the only person I can look at it differently is maybe it's late Delacroix, but all the rest that have managed Cameroon state corporation, from CDC to Pamo to Medino to whatever, all of them have destroyed the country. They've destroyed the corporations. All of them. De toute façon, ça ne va pas se passer comme ils pensent. Monsieur Pamlé, moi je l'appelle Palé. Monsieur Palé, Simon, vous devez répondre de vos actes. Vous savez, quand je commence, si vous ne trouvez pas la solution, l'État trouvera la solution. D'abord, la première des choses, c'est un grand scandale. Depuis que Tradex a été créé, il n'y a pas eu une histoire de 6 milliards de détournés. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous pouvez poser autant d'actes. Il se passe des choses compliquées, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne comprends pas. Il faut essayer de regarder, essayer de miner un certain nombre de choses. Nous ne pouvons pas continuer toujours dans des palabres assez compliqué parce que vous ne voulez pas payer la société de ce jeune Camerounais qui s'est battu, ses partenaires sont venus, ils ont fait une affaire et aujourd'hui se retrouve dans les problèmes à cause de vos avaries, vos points de vue qui n'ont rien à voir. Il faut payer cette société, monsieur Palé. Si vous ne payez pas, je m'accroche sur vous jusqu'à ce que vous puissiez trouver la solution et à l'autre. Vous savez, le TCS, lui, va doucement. Hein. Votre fils, même s'il est entré, j'ai dit bien, même s'il a fait une plongée marine, il a allé jusqu'aux arcanes des herbes à la profondeur maximale. Je me charge dans les tout prochains jours de mettre son nom ici. Et je vais vous dire là où il est.
Parce que vous faites vos choses, vous parlez, vous faites vos choses, vous pensez que vous êtes des malins. Comme ça, on verra. C'est vrai que beaucoup arrivent, ils veulent changer de nom. Parfois, ils commencent à demander le statut de réfugié pendant qu'ils savent ce qu'il a fait. C'est pas normal. Bien, c'est des comportements qui sont inadmissibles. Inadmissibles. Moi, je ne comprends pas ce pays. Pourquoi les jeunes même ont toujours des problèmes avec des gens? Bachir, il en lit. Mais Bachir, il faut dire quelque chose sur Palais. Je sais que c'est ton frère. Bachir, il en lit. Parce que je le sens quand même qu'il en lit. Bachir. Bon, mais... Benoît en ligne. Benoît... bon, monsieur Palais, Simon ne veut pas payer la créance d'un jeune. 181 millions. Pendant que son fils a disparu avec 6 milliards dans la société Tradex. Qu'est-ce que tu penses de cette logique de Palais... Non, Palais, je vous l'ai dit, qui est un... Non, avec plein de casseroles, on va en parler. On commence d'abord comme ça, par ce dossier, on va y arriver. Benoît, est-ce que Benoît en ligne? Benoît, tu peux donner ton point de vue là-dessus, l'affaire Tradex 6 milliards avec le DG et son fils. Alors, je pense que... Pasteur en ligne. Pasteur, que penses-tu du détournement de 6 milliards à travers les caisses de Tradex? Donc, je pense qu'il y a un problème. Ouais. Je pense qu'il y a un problème technique qui va se résoudre. Voilà. Benoît, tu es en ligne? Allô? Oui. Pasteur. Que penses-tu du détournement de 6 milliards par le fils de M. Palais, DG de Tradex? Est-il complice ou pas? Du détournement de 6 milliards? Oui, à travers les caisses de Tradex. La société de pétrole qui est sous la filière... de la SNH, dont l'ex-directeur général était Nyodor Périal. L'actuel directeur général s'appelle Palais. Que penses-tu de lui? Comme je disais dans tous les jours aujourd'hui, de 36 milliards pour mettre dans ses poches. Qu'est-ce qu'il en pense pour sa famille, pour le pays, pour tout ce pays, le Cameroun, le beau pays, le Cameroun? Est-ce qu'il pense à la Quintini, quand il va à la Quintini de Douala, à l'entrée de la Quintini, il va les pauvres familles chercher ne serait-ce que 500 francs pour acheter de la quinine, de la nivatine? Il pense à eux? Est-ce qu'il pense à ces familles, à ces mamans qui vendent du maïs en route? Non. Pourquoi faites-vous cela, mes frères et sœurs? Il faut les bénir, pasteur. Non, parce que même la bénédiction dans le vol. Bon, on les maudit alors. Non, en principe, ce qui est étonnant avec ces gens-là, tous sont les églises dans les maisons. Tous sont les églises. On se moque pas de Dieu. Mais.
comme il y a un musicien qui avait chanté il y a quelques années au Cameroun en disant que l'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Que nos grands frères, nos papas qui font cela, qui ne croient pas qu'ils font pour les autres, ils font eux-mêmes. 6 milliards. En espace de Périane, je ne sais pas, l'ancien directeur Périane Niodo, je ne sais pas depuis combien d'années n'est plus directeur, mais lui, je crois pas que ce monsieur a fait 10 ans, même 5 ans. Il prend 6 milliards, il met dans sa poche. Est-ce qu'il dort dans la nuit? Est-ce qu'il prie le même Dieu que nous prions? Mais la moralité a quitté le camp vraiment. Mais est-ce que ces gens-là dorment même dans la nuit? Ils boivent le don Périon, ils dorment comme les enfants, comme un bébé. Ou bien ils ont des évêques, comme je le présente, ils ont des évêques qui dorment avec eux dans la nuit. Je suis franchement parfois on dit mais il faut pleurer, il faut qu'on pleure pour notre pays. Mais c'est une groupuscule de personnes qui sont ils ont décidé de détruire et de tuer ce pays. Et je pense que le bon Dieu qui est là-haut a dit qu'il est temps. Avant que le bon Dieu ne descende, nous, au Parti républicain, nous allons les purger d'abord. Non, il ne faut pas qu'on soit fatigué de la problèmes. Je pense que. Parce que si le bon Dieu a permis que le Parti républicain puisse maintenant décider de les purger, j'utilise les mêmes mots que toi. C'est parce qu'il a décidé que le temps est arrivé. Effectivement. Et. Que ces gens ne croient pas que en prenant 6 milliards pour ce cas, il pourra faire quelque chose avec. Non. Parce que même dénoncer, ce monsieur ne pourra plus faire quelque chose avec cet argent. Parce que le pauvre Camerounais qui ne va pas aller à l'école demain c'est la rentrée au Cameroun, sauf si je me trompe. Oui, c'est demain. Ce monsieur, quand il passera avec sa, je sais pas quelle voiture il utilise, verra le petit Camerounais qui n'est pas là à l'école. Parce que lui, il a pris 6 milliards, il l'a mis dans sa poche. Il va venir dire que il travaille pour le président de la République. Non, le président de la République n'a pas demandé de voler, monsieur. Il a demandé de travailler pour le peuple. Si nous tous on vole, ça va donner quoi? Ce genre de personnes, comme disait mon frère Benoît, je ne suis pas pour la peine de mort, mais je suis pour la peine. Vous pouvez casser. Ça c'est une honte. Je ne sais pas si leurs propres enfants qui sont nos frères et sœurs ne peuvent pas, parce que la moralité, même ton fils peut te faire la morale, hein? Monsieur qui a pris 6 milliards. Bien, dans le contexte, tu gardes la ligne, Pasto. Révélation flagrante, oui. Wanda Yolo a deux nationalités. Il est français camerounais. Wanda Yolo est français camerounais du fait que il a le lien de mariage avec une française qui s'appelle Essono. Et naturellement, depuis quelques jours, il a tenté d'écrire la énième lettre à l'Élysée
au président Macron en évitant de faire connaître tout cela, mais c'est la vérité. Kondo Ayolo est français, au même titre que Amourou Belinga, qui est un centrafricain. Je crois que la justice aura mal à partir avec eux, parce que il y aura vraiment ce qu'on appelle la jurisprudence statutaire. Kondo Ayolo brandit sa qualité d'être français. Donc, au terme de cela, sachez que il s'est déjà préparé pour. En ce moment, Sylvie a déposé une correspondance au HCR du côté de la France pour demander l'asile politique pour la famille Ayolo. Donc, rassurez-vous, à ce même titre, mon ancien sireur de Troyes est en train de secouer du côté de la Centrafrique. Je viens de dire ça, monsieur le président. Mon ancien sireur de Troyes. Sireur de Troyes. Sireur de Troyes. Il me cirait au moins 3 chaussures par jour. Ok, ok. Cireur de 3. Ah, déjà. Naturellement, Bachir de l'autre côté de la SA. Et vous avez en train de tirer sur les nordistes et les bamiloukés. Ils ont mis. Je vous envoie là. Au même titre. Les 1000 collines. Au même titre, lui, Paul Moutazé, est en train de vouloir solliciter du côté du pays de l'oncle Sam, principalement aux États-Unis, à travers le HCR, mais il est très proche de Youmous Calculé, qui peut lui accorder par le sémantiel à travers une certaine connotation, le statut américain, mais ça se donne pas comme ça. Madame ne reviendra plus. Je vous avais dit que ces gens-là, quand ils partent, ils ne reviennent plus, c'est fini. Donc si vous laissez à Ayolo sortir, tant pis pour vous. Hein. Même s'il est malade, l'hôpital général est là. On va se débrouiller. Arab Contractors réclame ses factures. Depuis que j'ai mis à la place publique que ce n'est pas le neveu du chef de l'État, encore moins son héritier, Arab Contractors, qui a goudronné le village de plus de 43 kilomètres, le nouveau village créé par Ayolo, sollicite le règlement. Tous les créanciers sont tout oui. Et veulent être payés. Du côté de la Belgique, il a un paradis fiscal là-bas. Sûrement, les autorités locales devront saisir l'État belge pour naturellement mettre hypothéqué. Au niveau du Cap Vert, il a des bonnes choses là-bas en termes de paradis fiscaux. Nous allons donner les numéros de compte bientôt. Vous savez, ces documents sont déjà logés quelque part. Il faut que je vienne les mettre à la place publique. Kondo Ayolo est en train de vouloir créer une similitude dans ses affaires pour dire qu'il y a un certain nombre de ses amis
du côté nordique de la France qui sont associés. C'est ce que sa femme est allée faire, chercher un statut spécial de réfugié et trouver par commodité un mouvement associatif comme dans un patronat là où il y a les actionnaires à travers les SCI et les sociétés que je vais appeler des consortiums. En ce moment, pour vous rassurer, Ayolo est au collet. Il y a des instructions qui ont été données. Donc je vous disais que ça ne va pas aller. Et les mêmes instructions ont été données pour payer les 9 milliards. Ça ne souffre d'aucune contestation. Il y a un ministre qui est très proche des affaires aussi, en dehors de Ayolo. Il joue le rôle de conseiller technique du consortium. Voici comment on a fabriqué l'histoire de 9 milliards. Une certaine expertise a été fait par un Bamois que je veux nommer un certain Alaka, expert fiscaliste. Et c'est cela qui a été estampillé par le rectorat de Louis-Paul Moutazé, qui n'ont ni expertise ni moyen de se défendre contre naturellement le liquide. Et beaucoup de gens ne savent pas que dans les antécédents, je vous l'ai dit, dans la filière familiale du côté de Mbam, Vondayolo a laissé quelques grabins là-bas, hein. Donc c'est le bon frère de Mbamois. N'oubliez pas ça. Pourquoi est-ce que vous êtes étonné? Vous me regardez, mais je vous donne juste l'information. Donc c'est le bon frère fiscaliste, démissionnaire du RDPC il y a quelque temps, qui veut devenir chef non installé, qui a même mal à partir avec le ministère de l'intérieur, non, je vous l'ai dit, le ministre Attangadi, quand on vous donne le trône de la chefferie, il faut que vous soyez installé naturellement. Je voulais vous le dire, je vais vous donner les noms des grabins du côté du Mbam. Ou Ayolo a beaucoup plus de la filière. D'ailleurs, un de ses frères s'est ajouté dedans. C'est pour ça que le dossier a été monté. C'est ce fiscaliste, un certain Alaka, suivez mon regard. Il a travaillé aux impôts, hein, il y a quelque temps. Il se détermine être docteur fiscaliste. C'est pour cela que vous avez eu le faux rapport, une fausse contre-expertise qui a été étalonnée par la commission que je vais appeler la commission du prédateur, j'ai nommé Louis-Paul Moutazé. Vous savez, je suis où? Je suis au même moment partout. C'est ainsi que le réveil du côté des impôts s'est fait. Je voulais ici donner mes encouragements au petit frère Mopa, qui a eu le courage de dire, nous n'allons pas continuer comme ça. Et
à ses autres collaborateurs, je leur dis beaucoup de courage. Dès que le temps il va passer, vous portez plainte à lui, Paul Moutazé, parce que Moutazé a un lien dans le consortium de tranquillement de l'agent immobilier. Son beau-frère, le petit frère de sa femme, est dans tous les sites numériques. C'est lui qui écrit les choses sur le président Paul Biya, contre le président, contre le régime. Donc lui, son beau-frère tire les profits et les marrons du feu pour le nourrir. Je voulais simplement le dire et je partirai pas d'ici sans donner son nom naturellement pour que vous allez fuiner dans les archives du côté de l'hôtel Hilton pour qu'on ait des facilités, voilà, communicatives. Vondo Ayolo est dans le clocher du collet. Prière, ne plus passer avec vos dîmes additionnelles là-bas. Attends, Nakura, ton ami est dans le collet du collet. Donc là où il est là, il ne peut même pas traverser le doigt là. S'il veut prendre la route, les gars qui vont lui dire que non, mais monsieur le DCC, vraiment, j'ai l'impression que vous avez besoin de rentrer d'où vous venez. Il a déjà envoyé une tonne de lettres à l'endroit du chef de l'État pour lui demander pardon, mais je me pose des questions. Tu demandes pardon, tu as fait quoi? On n'a même pas encore commencé. Toi, tu es déjà en train de demander pardon, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais On parle de la rectitude langagière. Je voulais dire. Ou de la rhétorique française. On parle pas sur les médias. On parle sur un micro. On parle dans les médias. Vraiment, le français est très, très mythique. Je parle sur le micro, je parle à travers les médias, je parle dans les médias. On ne peut pas dire je parle sur les médias, ça ne se dit pas. Vraiment, excusez-nous, on sait ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui sont assis au quartier, ils écoutent souvent de travers. On parle sur un micro. On parle dans les médias. On ne parle pas sur la télé. On ne parle pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la compétence, la composante d'une entité médiatique. Tu ne peux pas dire, en bon français, on parle sur les médias. On est directeur de publication d'un média. On ne peut pas dire on est directeur de publication
d'une entité médiatique. Je voulais mettre de l'ordre pédagogique, parce que il faut éviter de dire des choses parfois qui ont de la consonance, parce que la rhétorique française est assez joucte, comme on dit. Il faut éviter. C'est ainsi que je n'oublierai pas de faire une diction. La réflexion philosophique ne connaît ni couleur, ni région géographique. La philosophie n'est pas le lot d'un peuple donné. Il n'y a pas de philosophe française ou africaine ou asiatique. On peut tout, au plus, parler de philosophe français ou africain. Il faut faire attention. C'est bien d'écouter. Mais il faut avoir les bonnes huies pour écouter. Bonnes huies, ça veut dire les oreilles. Vraiment, il faut éviter de dire des choses parce qu'on part. Bien. Je voulais... Il faut servir tout le monde. Hein. De temps en temps, les gens peuvent se tromper. Personne n'a le monopole du savoir, mais nous tous sommes envers la connaissance du savoir. Donc, il est question ici de rappeler que les jeunes sont victimes d'un certain nombre de... Je vous l'ai dit, hein, dénombre une certaine quantité, c'est-à-dire les jeunes, naturellement, de maladresse de société. Je voulais dire un bonsoir à Maître Mana, notaire à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi je fais. Nous sommes en studio, tout le monde a l'impression de vous connaître, Maître Mana. Maître Mana, notaire à Yaoundé. Il est au siège de la cour d'appel du centre. Et lui dit que l'affaire El Hadj Mahamadou Abo m'intéresse. Et je prends toujours du temps. Je vais en parler. Dans les toutes prochaines heures, mais les jours, pourquoi pas, je suis le porte-parole des 100 voix, et je le demeure. Il faut en parler, parce que le jeune Baldagui Jérémy se retrouve dans une position qu'il faut défendre. Et nous allons en parler. L'histoire de El Hadj Mahamadou Abo dans un protocole d'accord dont j'ai devant moi ici, hein,
signé au profit de Sédifi Cameroun, qui lie le cabinet notarié Managent, Maître Mana. On va en parler. En toute confiance, le sort réservé, on va en parler. Je vais revenir sur ce dossier. Au même titre que certains dossiers qui m'intéressent. Vous savez, j'aime pas les injustices. Je veux revenir dans le dossier Famawa. Pour d'autres grandes révélations, est-ce que la mixture s'est mise? Quels sont les aléas? Quelle est sa position? C'est un petit frère, il faut un peu le défendre. Est-ce que c'est soutenable? Nous allons en parler dans les tout prochains jours. Vous savez, je suis de ceux qui pensent positivement pour les jeunes. Moi, d'où mon interpellation? Au même titre, dans ce même dossier, James Kona Kamara, je veux revenir pour voir le pour et le contre. Ça va au fur et à mesure que je travaille dans un dossier, je m'en rends compte. Mon doigté, c'est de construire et non de détruire. À partir d'aujourd'hui, Benoît Ali, Benoît, rebonsoir, tu es Ali, Benoît. Il n'est pas en ligne, c'est Pasto qui est en ligne là. Bachir, tu es en ligne? Je suis en poste, je suis en poste. Bon, je voulais le dire, Benoît, vous allez intervenir au fur et à mesure. Bachir, à partir d'aujourd'hui, Télésud n'existe plus en France. Télésud est en phase de disparition parce que l'État français, à travers les institutions judiciaires, le président Macron s'est saisi du dossier. Je l'avais bien dit au départ que ce paradis fiscal qui a été organisé par Amourou Belinga et autres, la justice française va sévir. Je vous donne exactement cette information que la justice française a frappé désormais sur Amourou Belinga et ses comparses. La fausse prétention qu'il avait avec Ayolo, qui a prétendument dit à qui veut l'entendre qu'il avait des amis du côté de l'Élysée, ce n'est qu'une fausse boutarde. Et Ayolo, Mvondo, vous êtes prié
de ne plus salir la famille présidentielle et attendre votre sort, encore moins le chef de l'État, président de la République, exécutif. Il y a une histoire bizarre dont tu racontes aux gens, de 3 milliards. Faut faire attention, monsieur. Ne mêle pas le nom du coup présidentiel là-dedans. Attention! Toujours un million. Un milliard. Ayolon Vendredi, à qui veut l'entendre? Que le dernier passage du chef de l'État en France, il a donné 3 milliards pour se substituer à un compte. À ce qu'on a un soutien politique. Il faut faire attention. Il faut faire attention, Ayolo. Je te surveille. Je te surveille. Télé-Sud, c'est une histoire de paradis fiscal qui va disparaître dans les tout prochains jours. J'ai dit, l'État français s'est déjà saisi du dossier. L'Élysée est au courant. La brigade financière française s'est déjà saisie. Quelqu'un qui est dans les brûlots. L'assiette française en ce qui concerne les émoluments qui ont été détournés à travers le réseau du caisseur financier, j'ai nommé Christian Keu, sont déjà révélés. Je voulais le dire et j'aimerais que Benoît puisse apporter son expertise parce que oubliez ce paradis fiscal. Télé-Sud. Benoît, tu as la parole parce que quand on leur avait dit, ils ne nous ont pas cru. Le temps est déjà arrivé, Ayolo devra répondre et ses comparses et les moutazés. Tu as la parole, Benoît. Oui, Président. Le dossier Télé-Sud, quel que soit le choix que nous pouvons avoir de part et d'autre, je salue le ministre Jean-Paul Moutazé. Je ne savais pas qui venait à Paris, du côté de la porte Dauphine, au carré VIP. Merci Rémi Gonor de nous avoir donné l'information. Donc, ça fait très mal, caractère. Ça bouge. Pardon? Oui, oui, continue, continue, Glafin, continue. C'est d'abord le cartel. Le blanchiment des détournements de fonds publics s'est réuni, sans oublier le marais. On ne fait plus la chasse à coups. On voit des individus entrer. Je suis différent. Voice Radio 103.0. Et cette télé-sud, telle une tentacule, va mettre à nu. Ce télé-sud n'a été que le grain de sable qui est venu faire dérailler la machine. Je vois que Bachir est parti. J'aurais que Bachir soit là. Bachir est là, il te suit. Parce que le pape des médias, comme il s'est baptisé, les hommes loin des hommes loin, comme il rit lui-même, toujours de l'usurpation, usurpation de marque. Usurpation de titres fonciers, pillage des caisses de la République. Il faut rappeler Benoît. Il faut rappeler Benoît que tous les collaborateurs, les blancs, là, ils sont partis. Malgré le fait qu'ils étaient pris la main dans le sac, on continuait à alimenter le réservoir.
Donc le Parti républicain, par l'intermédiaire des chiens, ont mis la main sur quelques-uns. Mais il y en a d'autres. L'heure de la justice est arrivée. On peut avoir des copains à l'Élysée. Ça n'empêche pas de répondre des forfaits qu'on commet. Monsieur Mondo Ayolo, en France, vous êtes plus important que le président Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas appris que le président Sarkozy a été jugé et qu'il est sur le coup de d'autres dossiers. Il n'y a qu'au Cameroun que vous cultivez le culte de l'impunité. Vous pouvez voler et venir vous afficher et demander à vos blogueurs de mettre vos photos dehors. Parce que vous êtes des rois, rois des cartels. Des cartels de comment il s'appelle, l'ancien locataire de Konengi. Attends, Lakuna. La fête des chutes ne fait que commencer. Vous émettez avec une marque qui ne vous appartient pas. Vous avez utilisé l'argent du Cameroun pour tenter d'introduire quelques procédures administratives pour essayer de conserver ce que vous avez volé. Mais oubliez une chose, en France, on ne prospère pas avec l'argent issu du blanchiment. Le parquet national financier va vous frapper. Et je pense que ce soit M. Motazé ou M. Ayolo, vous avez beaucoup d'intérêt de ce côté. Vous avez le choix pour faire geler vos biens mal acquis. Drôle d'histoire qui ressemble à la série fiction gabonaise. Sauf qu'au Cameroun, on ne dira pas de bien mal acquis du président Paul Biya. Samuel Mondo Ayolo, on ne peut pas prospérer avec l'argent du peuple camerounais, l'argent du contribuable. Avant vous, il y a eu plusieurs ambassadeurs, il y a eu plusieurs directeurs de cabinet civil. Ils ne sont pas milliardaires. Où sort votre argent, M. Mondo Ayolo? Vous avez gagné à l'euro million en France? Parce que vos marabouts pouvaient vous donner les bons chiffres. Vous avez préféré déchiffrer le coffre-fort de l'ambassade du Cameroun à Paris. Dirais-je, le carnet de chèques. J'espère que vous avez gardé la chousse, hein, parce que c'est une obligation comptable. Il est interdit de détruire les souches de chèques. Et comme vous opérez par chèque, parce que vous n'avez pas peur, tellement habitué à l'impunité camerounaise, vous croyez que vous pouvez faire la même chose partout. L'histoire Télé-Sud est une vaste opération de blanchiment en bande organisée. Vous connaissez les peines? C'est 5 ans d'emprisonnement, 450 000 euros d'amende.
Mais comme vous avez agi en bande organisée, c'est 10 ans d'emprisonnement et 900 000 euros d'amende. Et vous n'allez pas échapper parce que vous étiez bien organisé. Du ministère des Finances, avec lui Paul Motazé, qui donna ordre à Christophe Kechanke d'utiliser le chéquier de l'ambassade pour faire plaisir à Samien Vondouayourou. Le gourmand, le goulu, l'homme qui n'en a jamais assez, il veut toute la caisse du Cameroun pour lui. Les Camerounais n'ont qu'à crever, mourir de faim, mourir dans les hôpitaux, mourir au désert, mourir dans la Méditerranée. Ce n'est pas le problème de Samien Vondouayourou. Il faut qu'il amasse. Il faut qu'il amasse. Il faut qu'il amasse. Et il faut qu'il monte des sales coups contre le président de la République. L'histoire de Télésud mettra en lumière certainement le financement de la base. Dans basse, vous avez Ayolo Samien. Devinez le B. Je vous laisse deviner le B. Parce que M. Ayolo marche toujours avec ses initiales. La SI MAS. Vendo Ayolo Samien. Je me demande toujours que fait ce monsieur aux côtés du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faut que les Camerounais sachent que tout ce qui appartient à Vondouayourou vous appartient. Parce que c'est votre argent, le peuple camerounais. Tout ce qui appartient à Samien Vondouayourou vous appartient. Et j'ai appris en écoutant Rémi Ngono que Samien Vondouayourou l'avait appelé pour faire croire qu'il est issu d'une famille de milliardaires. Monsieur Vondouayourou, dans quelle république? Dans la ville du Cameroun. Et nous ne sommes pas au courant. Votre famille de milliardaires, ils vivent où? Au Gabon. Ah, vous avez dit à Rémi qu'on avait passé ça sous le nom de votre frère. Non. L'argent public appartient au peuple. Vous avez préféré laisser le peuple mourir, mourir dans les hôpitaux. Vous avez préféré laisser les retraités être dépouillés de leur retraite. Monsieur Vondouayourou, l'histoire de Télésud, on se rappelle, sur très haute instruction du chef de l'État. Généralement, quand on parle de très haute instruction, ça ne sent pas bon. Et c'était où? Sur votre chaîne préférée, Info TV. Vous avez ramené des voyous au Cameroun qui ne valent rien dans leur pays d'origine. Vous les avez reçus en grande pompe au palais de l'Élysée. C'était des voyous. Un avocat qui s'est présenté comme conseiller d'Amoku Beninga, ancien journaliste TF1, retraite savamment payée par l'agent du contribuable camerounais. Monsieur Vauquer va même faire embaucher son fils. Si on voit l'organigramme publié par Amoku Beninga, dont seuls nous avons une copie, on voit apparaître parmi le personnel le fils de Vauquer, le père payé aux frais du contribuable camerounais, le fils payé aux frais du contribuable camerounais. Pendant que des Camerounais X sont couchés dans les hôpitaux, à la Quintini, que ce soit l'hôpital général Douala ou Yaoundé, la caisse et les autres hôpitaux, le nombre de Camerounais qui meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire soigner
et qui ne sont rien pour bénéficier des avions médicalisés. Et bien, pendant ce temps, M. Vondayolo, M. Moutazé et M. Amougou Beninga payent la retraite des journalistes révoqués de TF1 et de leur famille. André Agide, qui touche tous les mois 9 000 euros du contribuable camerounais en tant que directeur de la chaîne falsifiée, la chaîne de faussaires Télé-Sud. Ce monsieur, avant de croiser le chemin de ces naïfs bêtes dirigeants camerounais qui s'appellent Samuel Vondayolo, puis Paul Moutazé, le grand bandit Amougou Beninga, n'était rien. Ce jeune homme de André Agide. Il s'est pavané au Cameroun. Cameroun, mon pays. Samuel Vondayolo, vous avez ramené des bandits dans mon pays, le Cameroun. Et à l'intérieur de la plus haute institution de la République, notre palais présidentiel, vous avez ramené des voyous de basse classe. Des gens qui vivent des duplicata des fax. Et vous vous êtes pas arrêté là. Vous les avez amenés chez René Sati. Où est le rapport entre cette société, cet établissement français et le ministère de la Communication camerounaise? J'espère que M. René Sati nous dira quel était l'intérêt du Cameroun de recevoir cette bande de voleurs. Vous les avez amenés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Une société basée en France, sous droit français. Où est le rapport avec la CNPS camerounaise que le directeur général de la CNPS nous vient nous dire le pourquoi du comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez amené ces voyous au ministère de la Justice camerounaise. Où est le lien entre une piteuse entreprise de voleurs et de voyous et la justice camerounaise? J'espère que le ministre Laurent Esso, qui a pris les photos avec ces voleurs, nous dira ce qu'il en est. Et vous n'êtes pas arrêté là. Vous avez continué au ministère des Finances. Mais c'est normal. Votre complice, ministre, est le grand bandit. Le Manitou qui a décaissé les fonds publics. Pour vous, on a découvert que le Cameroun avait un voyou à la tête des finances publiques. Et il reste en toute impunité. Monsieur Lupo Moutazé, justifiez votre fortune. Vous êtes plus riche que le président de la République, alors que vous n'êtes que simple ministre. Un ministre qui va au secours contre son directeur général des impôts, qui va secourir un voyou qui ne vit que de l'argent public. Même pas un voyou. Un prêtre, non. Parce qu'Amougou Beninga n'est qu'une étiquette. Il a vendu son nom au diable pour profiter de quelques miettes. Voilà pourquoi il fait parler sa pseudo-générosité. C'est-à-dire, monsieur vient vous voler chez vous et après, il vous donne un petit os et vous êtes content. Vous dites, le homme l'a donné. Il vous a volé 100 millions dans votre maison. Il vient vous donner 10 000. Vous dansez. Oh, Zomloa, le créateur des emplois. Tu as créé quel emploi, Zomloa? Même ta chaîne de voleurs en France n'emploie aucun Camerounais. Tu donnes des salaires minables à Bruno Bigan.
Je ne sais pas s'il a 300 000 francs CFA de salaire par mois. Et tu donnes 9 000 euros à André Agide, qui passe les cassettes à longueur de journée dans ce qu'on appelle télévision. Et Bruno Bidjan est content de toucher 600 euros, alors que, ou un peu moins, alors que son collègue de l'autre côté de la Méditerranée touche plus de 10 fois plus. Alors, ceux du gouvernement camerounais qui ont reçu ces voleurs en grande pompe, on a prévenu les services de sécurité. Ils nous ont pas écoutés. Le voleur venait chercher plus. Et on écoutait ces hommes-là. Et il faut que la ligne éditoriale parle maintenant du Cameroun. Ils ont qu'à lire éditorial. Télévision à cassette. Mais ils s'en foutent. Vous savez, le montant des charges de cette entreprise et des montants de chiffre d'affaires qu'ils peuvent réaliser ou qui sont maquillés est égal au montant des salaires. Donc c'est une entreprise qui travaille pour amasser les fonds publics du Cameroun. Il est temps de rendre les comptes. Et tous ceux qui sont impliqués, vous rendrez des comptes. Vous avez utilisé l'institution financière du Cameroun, Monsieur Moutazé, vous venez commettre votre forfait au nom de Samuel Wandoyolo. L'homme qui court plus vite que son ombre. Samuel Wando Ayas Kikiduk. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Et qui va se cacher et dire, ce sont les autres. Moi, je suis pour rien. Alors que c'est son miroir. Dans le palais présidentiel, on qui occupe le poste de directeur de cabinet civil. Bien. Il va être viré et peut-être fessé sur la place publique. Ok, Benoît, can you take... Ah, je voulais dire, tu peux boire un verre d'eau, non? Ça va te faire du bien. Non, quand il s'agit du peuple camerounais, je n'ai pas soif. Comment ça? Je te conseille une bouteille de Vittel. Je te conseille une bouteille. Tu vas faire piquer. Ne porte pas l'étiquette de Samuel Wandoyolo. Voilà. Parce qu'on ne le retrouve pas. Donc c'est un peu ça. Je voulais simplement dire ceci. Il faut simplement que tu boives une bouteille d'eau. Parce que... Président. Oui. Le Camerounais est bafoué. Je n'ai pas soif. Comment ça? Samuel Wandoyolo a bafoué. Tu peux me faire Samuel Wandoyolo est en train de tuer la République, tout simplement. Et quand vous allez choisir les faux opposants qui ne connaissent pas ce que c'est que la politique et qui viennent, ou d'autres, fabriquer des produits qui vont tuer les Camerounaises parce que des Nouran Fausting, appelez là comme vous voulez, ont honte de leur peau noire. Bien, ne quitte pas, garde un peu le calme. Je suis fier, Madame Foster. Voilà, Benoît. Je vais recevoir le soutien de son chef, Cabra Dibi. Oui. Un autre voyou bandit qui a dit que pour être président de la République, il faut aller brûler le palais de justice. Aucun procureur ne s'est levé pour l'équiper. Bon. Je voulais pas te couper, mais je dis simplement que tu boives un verre d'eau.
Vidal, je te conseille. Quand on prend des politiciens comme Serge Espoir Matumba. Oui, est-ce que Benoît. Benoît. À l'invitation de Samuel Vondoyolo. Benoît. Oui, président. Oui, je voulais simplement que tu boives. Bois quand même une bouteille de Vitel. Voilà, on est en train de négocier déjà le tremplin pour aller en gare. Tambe, il est parti. Bon, oui. Bon, oui. Pasto, allô, Pasto, tu as quelque chose à nous dire aussi? Parce que je veux lire un petit truc, mais j'ai pas besoin que les gens s'énervent. Parce que c'est ça qui va fermer l'émission. Hein. Voice Réunion 103.0 FM.